something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes colos terminés du mois d'avril. J'en ai fait quelques-uns. J'aurais aimé en faire plus. J'ai des encours. Donc voilà. J'ai eu des ratés. Ça fait perdre du temps. Je suis encore en vacances. Donc cette semaine, on n'est pas vraiment tout à la fin du mois. Hein, mais pas loin. On est le 25, je crois. Donc voilà, il me reste encore un peu de temps pour colo. Mais je préfère vous faire mon... Voilà, ma vidéo aujourd'hui, sachant que j'ai du temps, je préfère faire ce que je peux aujourd'hui. Et voilà, ça sera juste, vous allez voir mes encours qui seront sûrement terminés pour le mois prochain. Et voilà. Donc, pour ce mois d'avril, je suis allée dans mon bloc en famille pour le challenge d'Elise. Hein, voilà, je pensais en faire plus et finalement, bah, j'ai pas réussi. J'en ai fait que deux. Tristesse. Mais voilà. Mais bon, j'ai fait deux colos de ma team. Donc j'ai rapporté quand même pas mal de points. Donc c'est colo de la team réponse. Je sais plus si je vous l'avais montré celui-ci. J'ai l'impression que oui. Je sais plus. Enfin, si vous l'avez déjà vu. Voilà. Mais je pense. Je sais plus. Je pense que je vous l'ai montré. Mais voilà, j'ai fait ce colo là, je me suis plantée sur le dessus, du coup bah, j'ai mis du Posca noir. On a du BBO, mais je suis plus très fan de la pâle, elle est pas assez opaque. Donc moi j'ai la or basique, la PBO c'est la déco. Voilà, celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment pas opaque, donc il faut que j'en mette plusieurs couches, on voit les traces, donc c'est la Gold Or 119. Et j'ai aussi l'or antique, donc toujours de la même marque, la même gamme, mais là ça va être la 120, donc or antique, antique gold, voilà, qui est plus or ancien que je préfère. Mais je pense que je vais peut-être quand même craquer pour la Colorex or basique. Parce qu'elle m'a l'air quand même plus pratique. Donc nous avons pas mal de stylos gel, de stickles, voilà, vous allez voir dans les couronnes, hein, il y a voilà, du stylo gel hybride, il y a voilà, stickles cristal, voilà. Donc ça brille. Sinon c'est fait au Prisma. J'ai rajouté les cils hein, parce qu'ils n'en avaient pas. Hein. Ouais, encore là du stickers. C'est chiant qu'en vidéo vous ayez pas les couleurs, les. On est obligé de tout manipuler pour vous montrer un minimum ce qu'on vous dit. Il y a du drawing aussi, je crois un petit peu peut-être pour le fond, pour le bois c'est sûr, du drawing, mais voilà, cette petite ilu fort sympathique où je me suis plantée dans sa tenue à lui, hein, voilà, mais difficile de trouver une image, mais bon, contente de l'avoir faite et d'avoir continué à avancer mon bloc en famille. Ensuite je suis allée dans mon petit carré portrait, je sais plus si je vous l'ai montré aussi, ça se trouve je vous l'ai montré. Quand on n'a pas de tête, et ben, on répète. Et je ne sais même pas. Ah, non, c'est pas ça. Il est où, Ralph, où es-tu? J'ai raté mon fond parce que ben, j'ai utilisé les Derwent Intense. Mais j'ai pris des couleurs trop proches, je pense. Donc je suis venue repasser au crayon. Mais c'est pas possible. Ah, il est là. Je suis venue repasser au crayon par-dessus et autres. Mais bon, non, je suis pas fan de mon fond. Je suis pas fan. Sinon, c'est du Prisma.
Voilà, j'ai regardé Ralph il n'y a pas très longtemps, donc du coup j'ai voulu le mettre en couleur. Voilà, c'était ma première fois. Donc voilà. Pareil, je continue à avancer mon petit carré portrait. Ensuite, j'ai fait un marque-page. Donc c'est dans le Babies tome 2. Donc j'ai fait une petite réponse. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Des aquamarqueurs, des néocolores, il me semble. Du stylo gel hybride en veux-tu en voilà. Donc ça c'est celui d'AliExpress. Du drawing. Et voilà, Prisma. Là je suis en train de me dire que j'ai dû oublier ça là. Mais je sais pas ce que c'est donc. Hein? Voilà. Je vais le mettre en marron, je ne sais quoi, mais. Et là aussi, ils coupent les trucs, mais il reste des... Regardez, c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Là, ils coupent des ilus, mais pas correctement. Du coup, il y a des morceaux, on ne sait pas ce que c'est. Et il faudrait que je fasse aussi, là. C'est dingue, hein? C'est toujours quand on fait les colos terminés qu'on s'aperçoit qu'on a oublié des trucs sur le colo. Ça vous le fait, à vous aussi? Enfin, c'est... Donc oui, là, je vais mettre du stylo gel hybride ou du stickles. Non. Mais voilà, comme ça après je pourrais le plastifier. Ensuite, pour un colo en commun Facebook, donc maintenant j'essaie de m'en mettre juste un par mois parce que je sais pas trop si je vais avoir le temps de tous les faire et je voudrais pas me retrouver à la bourre ou empêcher, enfin, comment je pourrais dire, être un poids pour mon équipe de trio ou duo Facebook. Donc je préfère ne m'en mettre qu'un et voilà, comme ça j'en fais un de sûr. Donc ce mois-ci j'ai fait cette petite mini, pareil on va avoir du stylo gel à balles, voilà, jusque dans mini parce que mini avait des petits traits voilà, blanc, voilà, moi j'ai mis du noir pailleté. Voilà, le fond j'ai fait avec de l'encre, c'est lesquelles, c'est celle de... non, c'est celle d'AliExpress je crois parce que j'avais pas de teinte dans celle de... d'Action, donc voilà, je continue celle que j'ai d'AliExpress. Sinon c'est j'ai utilisé les Black Widow, j'ai essayé de sortir mes Black Widow pour la faire. Donc voilà pour ma petite mini. Dans mon carré Babies. Ça doit être mon premier carré, ça. Ensuite, j'ai inauguré un livre. Voilà, j'ai entamé un livre. J'ai entamé le... on ne sait jamais comment l'appeler celui-là, parce qu'ils ont mis Disney vilain, méchant, donc pour moi c'est le méchant, parce que c'est celui qui est écrit en plus gros. Voilà. Donc dans le méchant, donc le Bodoni, tout beau, il est magnifique celui-ci. Il me faisait peur, mais bon, voilà. On a fait un trio donc avec Sœurette et Taz. Je vous laisse aller voir sur nos Insta. Pour aller voir leur version. Donc j'ai fait cette sorcière. Alors avec du Prisma, avec du drawing, avec du Staedtler, du Lumocolor permanent. Je crois que c'est ça. De l'Artistro. Stylo gel hybride. On en a, voilà. Ma palette Paul Rubens pour le reflet là. Qu'est-ce qu'on a? Oui, stylo gel, oui, il y en a. Sur ma toile d'araignée, j'ai mis du... Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer, c'est chiant, parce que là, j'ai le trépied, ça va taper dedans. Il va falloir que je me mette comme ça. Voilà, sur la toile d'araignée, j'ai mis du stylo gel hybride. Noir, voilà. Donc, la table a été faite avec le drawing. Le fond, mi-drawing, mi... je crois, mi-prisma. Là, c'est du crayon aussi. Si je ne m'abuse. Artistro. J'ai quasiment tout estompé à l'essence sans odeur. Hein, parce que le papier, il n'est pas ouf. Et je préfère pour pas cramer mes crayons.
Voilà, clairement. Là aussi, on a du drawing, je crois. Et pareil, estompé à l'essence aux odeurs. Mais j'aime beaucoup. Mais leurs versions sont ouf. Donc voilà pour ma méchante sorcière et son... Voilà, vous voyez un peu au niveau de la pomme. Je sais pas comment je peux faire. Si, je vous décale un peu. Attention, vomito, vomito. Si je vous mets par là. Et qu'après... Voilà, comme ça. Là, vous allez mieux voir. Voilà, vous voyez un peu où j'ai mis du stylo gel. Mais voilà. Pour ce colo. Et j'aimerais faire... à la base, je veux que les deux pages... et des couleurs qui aillent ensemble, donc j'ai fait en fonction de ce que je veux faire au niveau de mes éclairs là. Voilà, mes éclairs je les veux dans ces tons là, donc c'est pour ça que j'ai fait la potion de cette couleur là. Je veux que les pages matchent un minimum, donc mais quand est-ce que je ferai celle-ci, je sais pas. Puis en plus j'avais mis un marque-page et vous voyez ça fait des traces. Donc plus jamais les marque-pages. Mettez des marque-pages que vous faites. Voilà. Pas des trucs là, plein de colle, plein de caca. Mais oui, je voudrais que ces deux pages matchent à l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait la potion d'une couleur qui n'est pas celle du dessin animé. Hein, voilà, ne me tapez pas dessus. C'est bien comme on veut, hein. Hop. Mais oui, allez voir la version de Sœurette et celle de Taz. Vous allez voir, nos versions sont vraiment différentes. On n'a pas fait... on a toutes fait... Enfin, Sœurette l'a fait avec les vraies couleurs, je dirais. Mais Taz et moi, on est partis en freestyle. Bon. Quand t'as la flemme de fixer ton colo, voilà, tu mets des pochettes. Voilà. Donc voilà pour mes colos du mois d'avril. Je vais vous montrer les encours que j'ai. Il y en a un, ça fait un moment. Mais j'ai réessayé d'y aller là dernièrement. Mais j'y arrive pas plus que ça. Donc c'est dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Et je peux vous dire d'ores et déjà que ce sera mon seul Clara Markova. J'ai pas envie d'en racheter d'autres. Voilà, je vois que j'ai du mal à aller dedans. Voilà. Autant, oui, celui-là, j'avais pris beaucoup plus de plaisir à le faire. Mais c'était pas mal de matériel aquarellable, si je n'oublie pas. C'était pas mal avec les tinted. Donc, voilà. Là, il va falloir que je me motive à le finir. Mais bon, il y a beaucoup d'éléments. Et voilà, moi, ça me saoule un petit peu. Puis, j'ai pas noté les combos que j'avais utilisés. Donc, voilà, je pense que je vais revenir voilà, le finir, mais avec du matériel aquarellable. Et basta. Mais non, c'est pas forcément un plaisir d'aller dedans. Donc, il faut que je finisse celui-ci depuis une belle durette. Mais j'aimerais bien voilà, finir mes encours et... Enfin bon. Et dernièrement j'ai commencé un mystère. Donc oui, si vous voulez pas voir. Oh, de toute façon vous allez. Bah, je sais pas. Avancez un petit peu la vidéo si vous voulez pas voir. Mais voilà. J'avais pas regardé les solutions. Hein, j'ai fait un coloriage aléatoire via BuddyColo. Et bah, m'est sorti un numéro de page. Donc j'avais choisi hein, déjà quand même le livre. Je voulais aller dans celui-ci. Donc j'ai choisi le livre et il m'a sorti donc cette page-ci. Je ne l'ai pas vue. Donc je regarde un petit peu quand même les solutions pour être sûr qu'il ne se soit pas trompé en bas. Voilà. Donc là j'ai choisi mes couleurs et puis là je remplis au fur et à mesure. Par contre j'ai un peu de mal pour les zones noires et autres. J'ai mon Posca noir. Ah, il est où ? Je sais pas où il est. Enfin, il va mal, je trouve. Je suis obligée de l'activer, mais là, ça me fait une grosse flaque. Puis après, bah, je suis obligée de piocher dans ma flaque pour... Enfin, c'est pas terrible, quoi.
franchement. Donc je sais pas trop ce que je vais faire de mon noir, mais bon, c'est un 1M, je crois, voire même peut-être plus gros, je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il est là. C'est un quoi? Ah non, c'est un 3M, donc ouais. Ouais. Mais oui, ça. Je sais pas. Bah, je vais le finir, et puis par contre, après, je rachèterai un 1M, je pense. Bah, après, avec les grandes zones, là, j'aurais peut-être dû prendre mon 5M, enfin, je sais pas. Parce que j'ai essayé mon Crayola Super Tips, mais je le trouve pas noir, je le trouve gris. Enfin, voilà, c'est pas ouf. Et sinon, pour mes traits noirs, quand ils sont fins, je prends le Flair, Peppermint Flair, mais pareil, voilà, il est fin, c'est bien, mais il faudrait une version un peu plus grosse, quoi. Donc voilà, c'est mon encours. Niveau mystère, je vais peut-être essayer de faire le challenge de Morgane. Mais enfin voilà, je vais me prendre juste le petit menu, hein, parce que je suis pas sûre d'y arriver, donc voilà. Après, je pense que je vais juste faire des colos. Je sais pas si je vais regarder les solutions ou pas. Après, j'aimerais bien en faire en arrangé. Mais bon, là, pour une fois, j'avais envie de faire les traits noirs. Je me suis dit, ça fait longtemps. J'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Sinon, bah, hier soir, j'ai recommencé parce que je l'avais déjà commencé. Et j'avais fait un foin à l'aquarelle, mais c'était moche. Mon papier avait vraiment pas supporté, donc je l'ai réimprimé et j'ai recommencé, et je n'ai pas commencé par le fond cette fois-ci. Donc voilà, une petite idée de Christine Caron. Je sais plus dans lequel livre c'est, celui-ci. Parce que je l'ai dans un livre, hein, c'est sûr, mais je sais plus dans lequel c'est. Donc voilà. J'essaierai de vous, lors des colos terminés prochains, j'essaierai de retrouver dans quel livre il est pour voilà, si jamais il vous intéresse ce colo, ou sinon vous avez Etsy, hein, voilà. Mais je voulais voilà un ton violet, je la voulais violette, et sur mon autre colo j'avais fait, donc du coup je voulais le fond vert, et enfin voilà. Mais bon, là je sais pas du tout si je vais repartir, je sais pas, je pense pas, je pense que je vais faire un truc plus peut-être plus faire un fond nuit, bleu nuit, je sais pas trop, enfin bon bref, ça c'est mon encours. Donc j'ai utilisé pour l'instant, je vous ai pas dit dans le mystère ce que j'utilisais, mais j'utilise mes Brut Funner principalement, hein, dans mon mystère. Ouais, c'est ça, j'utilise mes petites gammes. Donc là j'ai utilisé les polis pour les cheveux, là le Prisma Brut Funner Macaron. Oui, c'est ça. Les yeux, ça va être du... Je suis en train de regarder mes crayons. Normalement, ils sont sortis. C'est un mix. C'est du... poli. Le vert, c'est du poli. C'est sûr. Mais le violet, je suis pas sûre. Si, si. Les yeux sont en poli. Poli et... Jelly Roll, taille 5 pour les yeux. J'ai rajouté des cils, même s'il y en avait déjà, voilà, elle fait quand même des beaux cils, Christine Caron. Mais j'en ai quand même rajouté un peu. Donc Prisma Noir, voilà. Mais sinon c'est du poli. Et Prisma Blanc pour les zones à éclaircir. Mais voilà, pour l'instant, à quoi il ressemble celui-ci. J'espère ne pas avoir à le recommencer une troisième fois. Voilà. Mais voilà, il me faisait envie, et ce serait pour le challenge de Créacolor. Mais il va falloir que je me mette un coup de pied au cul pour le finir rapidement, parce que c'est pour le 30, là. Voilà. Donc voilà pour mes encours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur Insta ou sur les lives de Taz. Où on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Ciao !